Salut YouTube, je suis en train de bouffer les popcorn comme un gros porc. Bonjour Twitch aussi, je vous ai un peu dit bonjour rapidement. Bonjour. On est accompagné du merveilleux, du magnifique, de l'unique Fury. Bonjour, bonsoir. Ça va bien? Ça va, et toi? Ça va bien. Du coup, monsieur, on est aujourd'hui le 8e épisode. T'es sûr? Ouais. C'est ça, ça j'ai vérifié, mais oui. Pas fort. Donc du coup voilà, on est à Voilà Rock comme l'a dit Fufu pour Twitch. Et puis on va y faire l'arène tout simplement, arène de type roche. Et non. On a déjà fait une arène de type roche. Ouais, c'est parce que je me disais. Mais c'est pas sol non plus, je pense. Non. Donc j'en sais rien. Yes. Alors tu verras dans l'arène. Yes. Mais je crois que toi tu pourras la faire plutôt tranquille. Hop, ouais. Avec ton feu forêt, ouais. Non, ça se monte au... Ah non, ça se monte pas en vélo, ça. Tout. Oh, elle est chiante cette arène. Très bonne occasion pour aller escalader, une capacité, ok. Je suis avec quoi l'escalade. Escalade. Bah, yes. et c'est. Tout simple main en fait. Oh non, je suis level en dessous. Oh! Coucou Luca! Hé hey, Lanou, tu comptes te mesurer au champion d'arène? Waouh, tu n'arrêtes pas de t'améliorer! Moi? J'ai mis une enquête au casino et puis. Oh, bien sûr! J'ai beaucoup travaillé sur mon Pokédex. Enfin bref, continue comme ça, on se reverra! Ok, cool. Ok, cool, man! Ok. Ah, alors c'est combat, putain, je suis ravagé. Eh oui. Oh, attends, je me rappelle plus toute cette arène. En gros, t'as des dresseurs et tu dois les vaincre. Yes. Tu joues des points, c'est pour célébrer le courage. Oui, le courage. Hein? Un grand sage a dit. Si la violence n'a pas résolu le problème, c'est que tu n'as pas tapé assez fort. C'est vrai? Non. Je me disais. Tu n'es pas vraiment un grand sage. Ah non. Ouais, ouais, si tu veux, Mathieu, tranquille. Juste calme-toi, tu m'énerves. Ils sont originaux, hein, leurs Pokémon. Originaux. Oh. Tout Jésus. Oh là là, il ne sait pas parler français. Quelle honte. C'est honteux. Oui. C'est honteux. Quelle indignité. Tous bleus, c'est à la ref. Moi, je l'ai, mais je m'en souviens plus, du coup, ça me donne. Donc t'as pas la ref. Si, mais... Non. Non. Parle-moi meilleur. Alors toi, parle français d'abord. Mais oui, mais c'est fait exprès, imbécile. Alors, imbécile, c'est pas très gentil comme nom, de base, en français. Ou après, tu l'apprends au fur et à mesure, hein, quand tu parleras avec des vrais français, tu le sauras. Mais voilà. Mais si du coup faut pas le dire au public, parce qu'en public, parce que voilà, c'est pas très gentil. Tu le sauras plus tard. Pour plus tard. Ça va? Ok. Ouais, clairvoyance si tu veux, yes. Allez, ferme la main. Torterra monte au level 35, yeah. Mais t'aimais pas ce Pokémon non avant? Ouais, mais c'était avant. Mais t'aimes juste Meditica, pas son évolution. Son évolution, pas trop. Elle s'appelle comment? Ah, c'est horrible parce que je te l'ai dit d'être Charmina. Dans oui. Bien, ouais. Charmina. Alors, lui, il est schizophrène. Nous sommes le quatuor karaté. Non, t'es tout seul en fait. Regarde autour de toi.
Vu le mec qui parfois en live se retourne pour parler à quelqu'un imaginaire derrière lui. Yes. Séisme, ça marche ou pas? Séisme. Ah bah oui. Ultra vite séisme. Ouais, ouais, clairvoyance, yes. Bah alors, avec un séisme de magnitude 2,8, qu'est-ce que tu vas faire? Bah rien. Tu vas éclater. Ouais, je bouffe du popcorn, monsieur, ça vous dérange? Moi, ouais. Yes. Mais en vrai, si vous entendez trop le micro, au micro, vous dites-le moi. Mais normalement, non. Ok, j'ai fait 3 dressures sur 4, je crois. C'est vraiment le poids, ça. Bah ouais. Non, mais je sais. Hein. Il y en a 5. Non, il y en a 4, c'est vrai. Mais tu sais pas compter aussi. Ah, mon empereur évolue. Bah il serait temps. Mais il évolue niveau 36. Hein. C'est vrai? Ouais. Ah, ça c'est pénible. Bizarre. De quoi? Qu'il évolue au niveau 36. Non, c'est comme ça. C'est qu'il y a... Si ma bras... Enfin, la chimpanzé fait évolue au niveau 36. Primplouf aussi, il y a que Postcara niveau 34. Ok, cool. Il m'a l'air un peu perdu. Alors là. Ok, on va repasser par là. Ouais, on bouge des portes et tout. On se balade sur des tatamis, on s'amuse, lol. Grosse ambiance, hein. Ça, on est obligé de le faire passer par là-bas si on veut pousser ça. Voilà. Ça, on le repousse comme ça. Là, on va pouvoir repasser. Voilà, et on va même payer nos Pokémon parce qu'on s'en fout. Salut, c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Mélina, le champion de cette arène. Je sais pas ce que c'est les quatre fortes, ni comment je suis devenu championne d'arène, mais je ferai de mon mieux pour faire honneur à mon rang. Je prends le combat très au sérieux, c'est quand tu veux. Ouais, fais ton yoga si tu veux, yes. Ah, attends, je te one shot quoi, donc barre-toi. Tu es mauvais. Ouais, enfin. Oui, oui. Aïe. Nul. Nul, nul, nul. Oh, bah oui, bien joué. Oh, gros yeux, c'est intelligent, hein. Petit. Okay. Elle rageux. Non mais en vrai il m'a... J'ai Torterra qui est paralysé mais je bute deux de ses Pokémon déjà donc bon. Le Fourrèze monte au niveau 34. Oh ça messieurs, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Lucario. Ouais. Ouais. Bien stylé. Bon, quand il court il paraît ridicule mais il m'aime. Non ça va. Je parle pas mal de lui. Plus fort que n'importe qui sur cette planète. J'ai un one shot. Bah c'est normal, il est de type acier. Ouais mais avec séisme. Bah normal, sol c'est plus puissant contre l'acier. Ouais. Il est éclaté. Je dois admettre ma défaite, je ne suis pas de taille contre toi. Tu sais que tu peux l'avoir, Lucario. Dans
dans un œuf, non, Riolu? Ouais. Ah, c'est bien, t'as des petits souvenirs. Ah, quand même. Et le combat, j'ai beaucoup appris. Accepte ce badge d'arène, s'il te plaît. Et ce Becherel aussi avec. Non, non, vraiment, non, j'insiste pas. je ferais bien de te parler de ce badge. Mais aussi de ce Becherel, alors regarde, donc, tu as le sommaire, le lexique. Grâce à ce badge officiel de la Ligue Pokémon, tu pourras utiliser la capacité secrète vol hors combat. Oh, j'ai une autre récompense. Ouais. Retiens ta capacité vent, petit point. C'est pas mal, c'est vrai. Ouais. Toi, me parle pas. Sale folle. Je ne t'aime pas. Merde. Parce que je voulais faire. Je vais faire les autres. Bolos. Oh, m'a paralysé. Bonjour, Lucas. Hey, Lanou. Écoute, tu peux me rendre un service? Bolos. Je fais tomber mon Pokédex par accident et la Team Galaxy l'a trouvé. Ils ne veulent pas me le rendre. Pitié, j'ai vraiment besoin de toi. Je t'attendrai devant les hangars. Viens me voir, s'il te plaît. Tu es nul. Ouais. J'ai envie d'insulter Luca, mais je sais pas de quoi. Victime, c'est très bien en vrai. Luca la victime. Ah, Aurore. Et quand tu viens me croiser, hey victime! Non, mais pas victime, moi c'est Luke. Non, non, victime, vraiment, pas le Pokémon. Bon. Non, je pensais que c'était des. Je pensais que c'était mon rival, pas du tout. Bâtiment galaxie de Voila Rock. L'univers nous attend. Yes. Arrêtez. Si vous voulez. Je prends quelle porte lumineuse, je sais plus. Bienvenue, c'est le QG de la Team Gala. Pardon, c'est le bâtiment de la galaxie, Voila Rock. L'énergie cosmique, c'est trop mythique. Oh là là, on dirait un slogan explosé. Ce serait pas formidable si on maîtrisait cette énergie inépuisable? Ouais, si tu veux. Allez, salut. Nous, la Team Galaxy, nous prendrons tout sans rien donner. Nous éliminons tout ce qui nous. Politique galactique, yes. Ouais, non, ce bâtiment, on travaille au développement de nouvelles sources d'énergie. Trop jeune pour nous, reviens quand tu auras pris de la bouteille. Ok. Mon perso là, il va se saouler, puis il revient dans 2 heures. Bonsoir. Et j'ai pris la bouteille, comme vous m'avez demandé. Mec sous. Celle de droite, du coup, elle en. C'est donc celle-là. Credo de la Team Galaxy, tout appartient à la Team Galaxy. Nous n'avons que faire du monde, l'univers nous attend! What? C'est pas là les hangars. Et non. C'est au niveau des hangars en fait. Yes. Et les hangars ils sont à quel niveau? À gauche. Pokémon. Tu vois l'entrée de Voila Rock? Ouais. Ah bah c'est là. Je sais pas du tout où c'est l'entrée. On va la trouver, ne vous inquiétez pas. Calmez-vous. C'est nord-ouest. Ah ouais, yo. Quoi? M'a ramené en feu pour récupérer ton Pokédex? On va se faire un plaisir de vous renvoyer chez vos mamans. Lucas. Hey Lanou, écoute, tu peux me rendre un service? Fais ton. Oui, bah. Oui. Mélo fait. Elle a fait. Le truc avec le dos, ça fait une attaque aléatoire. Elle a fait Space Rift. C'est l'attaque signature de Palkia. Yes. Super. Ah, si bon compte! Bon, pendant que toi tu m'as raconté ça, il y a Luca qui m'a raconté sa vie. Je l'ai un peu snobé, j'avoue. Non, mais je vais les laver, ouais. Ils sont éclatés. Bah oui. Bah après, je te fais pas signe parce que ça va pas marcher.
Sans déconner hein. Ouais mais je préfère la pirate. Je suis gentil, je préviens. Et Mélophée, tu fais quelque chose d'intéressant? Bah non. Bah non, t'es éclaté en fait. Quel bolos. Là vraiment les pires Pokémon. Merci. Voilà, torture à XP, monte niveau 36, yes, incroyable. Cradopo, oh il est éclaté aussi ce Pokémon. Ah quoique, un petit poison c'est pas mal des fois. Ouais, un petit Quatox là. C'était pas sur celui-là que j'aurais attaqué, mais si tu veux, tu fais ce que tu veux en fait, t'es chez toi, voilà. J'ai arrêté de faire le nœud pour rien. Bah allez, faut attaquer Pépère hein. Même pas moi Oh, c'est vraiment qui fait tout le boulot hein, c'est ouf. On est d'accord que ton Loka dans ta robe il est éclaté aussi. Ouais. Malheureusement, il pue ses grands bras. Je speed hein messieurs, parce que je suis le seul à attaquer en fait dans la game, donc yes. Bah tu pars deux enfants, c'est pas juste. J'aurais dû faire profil bas et me contenter de surveiller l'entrepôt. En 2000 balles. Ah, c'est nul. Mauviette. Je devrais en prendre de nouveau au quartier général. Ça, il parle des Pokémon comme des objets, quoi. Ouais, c'est. Ouais. C'est les méchants, quoi. C'est eux, tu vois, qui sont vilains. Ah, ben voilà, je vais faire ça. Tiens, prends ton Pokédex. Là, les jeux entreposés dans le hangar ont été déjà acheminés. Averchant, de toute façon. Comme on dit, il ira bien qui ira le plus fort. Qui ira le dernier, non? Ouais. Pourquoi la Team Galaxy se comporte comme si cette ville lui appartenait? Lano, merci vraiment. Le professeur Sorbi apprend un jour. Si le professeur Sorbi apprend un jour que j'ai perdu mon Pokédex. Oh là là là, je préfère encore ne pas y penser. Alors, Lano, tu comptes faire quoi maintenant? Moi je pars pour Verchamp. On trouve de nombreuses espèces de Pokémon dans le Grand Marais. Ouais bah Grand Marais Taras aussi. Quoi? Bon. Quelque chose à y faire dans ce hangar. Balababa. Bon allez, j'ai la 16 volts, c'est cool. Et lui je peux pas le fighter ce bolos. Hop 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 hop, qu'avons nous ici? Y'a rien à voir avec Team Galaxy. Il a l'air un peu jeune. Je suis ancré avec l'énergie des éoliennes. Ils sont déjà à Verchamp. Hein? T'es pas là pour ça? Clé spéciale, yes. Et on peut y aller dans le bâtiment, dans le QG ou pas? Non. Non. Bon, bah à Verchamp quoi. Toi t'as une clé spéciale? Non. Ah non, il te faut une clé spéciale. Ouais. Mais ouais, du coup, on va à Verchamp là. Ouais. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Si tu voulais un Evoli, bah, tu peux pas. Un pec? Trop bien. Comment ça se fait? C'est avec des. Pour avoir battu la ligue. Ah, yes, trop bien. Ouais, je mange, monsieur, me calmez-vous. Popcorn, Fury? Ouais, c'est bien. Bah non. J'ai pas encore reçu ce que tu m'as. Ouais, ça prend un peu de temps. Ouais, je comprends. Alors là, messieurs, donc là, ouais, c'est cool, on a fait la troisième arène. Ouais, c'est cool, on a récupéré le Pokédex de Luka. Mais! Parce qu'il y a un mais. On a que deux Pokémon dans notre équipe. Mais nous, t'as 4 slots déjà été. Ferme-la, arrête. Que Notor, c'est un esclave et l'autre, c'est un œuf. Tu vas pas lui faire une omelette avec, tu vas rien faire. Tu vas pas te battre. Donc c'est chiant. Une omelette en vrai. Une omelette de Pokémon, putain, ça doit pas être mauvais. Et du coup voilà, là donc j'ai que deux Pokémon. Il va en falloir quand même 4 de plus, sachant qu'effectivement je pourrais peut-être me prendre un petit Lucario. Je sais que je veux un Karchakrok dans ma team. Donc là il me faudrait quand même un Pokémon eau et un Pokémon feu. Ce qui sont vraiment pas les plus compliqués à trouver, mais j'en veux des bons quand même. Le type feu aussi il est compliqué. Bah j'avoue que. Qu'en soit, le type feu, il y a.
Onitagalopa, Magby, Magmar, Maganon. Mais Maganon, on l'a qu'avec de... échange. Ouais, les évolutions de Wistikram et... Putain, je crois que ça va partir sur un Ponyta. Hein. Je le sais. Je crois que c'est tout. Sinon, il faut un type vol pour le remplacer un peu. Ouais, mais il faut quand même des attaques feu. Ouais. Puis en vrai, je pense que c'est mon Karchakrok qui aura vol. Vol, Karchakrok ? Bah ouais. Non ? Ah, ou sinon, effectivement, j'utilise Karchakrok avec des attaques feu. Ouais, je me lance la déflagration. Et j'ai un Pokémon de type vol pour avoir vol. Mais quel Pokémon pour avoir vol ? That is the question. Hop. Tu peux avoir Utoraptor, tu peux avoir... Ouais, un petit Utoraptor, c'est pas mal en vrai. Hein. Oui, ça peut. Ah voilà, Karchakrok qui la prend pas vol. Ah ouais, merde. Il me semble. Oh, partout. Bon. Du coup, effectivement, il me faut un petit Pokémon, un petit étourmi. Je suis sur la route, combien là? 215. On en trouve sur la route 215 des étourmis? T'as des étourvols. Bah parfait. T'as récupéré la 16 vols? Bah ouais, bien sûr. Parfait, c'est ton fait. Bah ouais. Hein. Un Ponyta. Bon. Bon. Bon, cette fois-ci on le tue, mais peut-être que la prochaine fois on le prend. Non, en vrai, non. Ça te fait chier. Ouais, de fou. Karchakrok, en vrai, ça passe. Hein, ouais. Pour ses attaques feu. Alors, c'est pas sur un Mélocric que je vais mettre vol. Donc, juste qu'à soi de là en fait. Oh, vas-y. Ben... Ouais, je crois que ça a des ailes, non? Tu peux avoir un Pijako, sinon. Pijako? Tu peux vraiment monter sur un Pijako? Je vais voir, mais je. Non. Ouais, tu peux monter sur un Dodio. Mais un Dodio, ça a la taille, ça a la taille d'une autruche, c'est normal. Pijako, un Pijako gros, c'est normal. Un perroquet. Pijako peut apprendre la 16 vol. Mais non. Bah tu peux apprendre la 16 vol à un étourmi, hein. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est vrai. Ce qui est un pigeon au final, hein. C'est... Non, le pigeon c'est pas pigeon. L'étourmi c'est un étourmi. J'avoue que j'ai fait le regard du mec désespéré à la caméra, hein, je vais pas te mentir. Pourquoi? Je t'ai déjà donné la médaille du chipotage dans le dernier live, que tu veux pas non plus la coupe. Non mais en vrai, je taunte, mais il a pas tort d'un côté, c'est dans le nom. Donc... Ouais, mais... Par contre, t'es sûr qu'on a les étours vols dans la route 215? Sûr. Certain. Du moins sur Pokémon Platine. Ok, bon, je vais vérifier alors parce que. Non, attends, je vérifie, t'inquiète. C'est le trigger aussi. Diamant et Perle. Yes, ah non. Bah, pas du tout, elle est ferme. Je déteste en fait. Je peux l'avoir. Je suis con, je vais aller au Grand Marais. Ouais. Il est déjà level 22-26, donc parfait. Ah, la source à Dieu. Ouais, non mais bon. Ça va, c'est pas non plus. Paf, poursuite.
Bon, donc voilà, vous savez, messieurs, que si vous voulez insulter quelqu'un parce qu'on a perdu du temps à essayer de trouver un Pokémon quelque part, bah c'est Fufu qu'il faut insulter. C'est moi. Insultez-moi. J'aime ça. Les miracles. Si tu veux mon poteau. Et moi je te fais ténèbres. Ok, on est à Bonville. Et, non. Et un cadabra, tu veux pas? Non, en vrai. Merde, c'est où qu'il faut aller? C'est à Verchamp. Okay. Non, faut que tu passes par Voilaroc, que t'ailles vers le sud. Au lac Courage? Ouais, faut que tu passes par le lac Courage. Pourquoi? Bah, c'est le chemin. Parce qu'après, il y a des caméramans qui te bloquent le chemin si tu passes par Unopolis. Enfin, si je me souviens bien. Et tu sais, t'as la. Ah non, t'as pas vol, toi. Allez, Ponyta. Un petit poney. Mais bah, ton Ponyta, il a pas vol non plus. C'est le haineux. Il a des stacks feu. Et ça, that is cool. Alors ça, c'est de l'anglais. Hein. Je... Non, c'est de l'allemand. Cool, c'est de l'allemand. Bah, tu peux dire cool en allemand comme tu dis cool en français, mais d'assist, c'est. Ah, mais non, cool, ça reste un mot anglais. T-shirt, oui. Tu dis en français, mais c'est un mot anglais. Mais d'assist, c'est pas anglais, excuse-moi. Hein. D'assist, c'est allemand. Mais quand tu dis je porte un t-shirt, c'est français et anglais. Là, si vous prenez l'aventure ou live, enfin, que ce soit le live ou l'aventure sur YouTube en cours, mais c'est là, vous dites, mais pourquoi ils jouent ensemble, ces deux-là, ils se détestent. Mais pas du tout. Si. Si je pouvais partir, je partirais, mais chaque bon. Fois, il ferait la va. Il va chèque à la fin, il fait plaisir. Ah, mais non, mais c'est là. Oh, il m'a vantardisé. Cher. Hein? Non. Bon, route 214, oh. Salut! C'est hop, sinon tu peux avoir Dino qui y est. Ah, mais oui, j'avais dit que je le prenais lui. Merde, je sais pas qui prendre du coup, fais chier. Bah, tu peux prendre les deux, tu peux prendre Lucario, Dino qui y est, car ça croque. Et un type pro. Ah, ouais. Eh, ouais, non. Ça marche pas! Il est bien stylé. Enfin, je le trouve très mignon. En vrai, je pense que je vais laisser Lucario. Parce que Riolu. Attends, c'est quoi l'évolution de Riolu? Lucario. Il est direct dans Lucario? Ouais. Ok. Sinon, t'as un Girafarig. Non, mais gros, ça va. Hein. Tu peux me respecter, s'il te plaît? Oh, honnêtement? J'ai pas une tête au bout de la queue. Allô? Alors, oui. On va arrêter immédiatement cette blague-là parce que ça peut aller très très loin. Moi, j'ai un étourvol en face de moi. Yes, tu me l'envoies s'il te plaît. Enfin, tu me le. Ah, désolé, j'ai fait fuite en fait. Yes, je te déteste. Du coup. Alors, fais gaffe parce que tes popcorn ils vont faire fuite aussi, tu vas rien comprendre. Ah, c'est très rigolo. Yeah. J'adore mon humour. J'adore ton humour. Faisons des enfants. Je plaisante. Ah, toi, soigne-moi. Ah, oh, bah, une chose, il me charmerait. Oh, il a un Cranidos. Oh, il a un crâne. Oh, il est trop. Il est mort. Oh, je vous combats pas. Oh, il a un Archéomir. Archéomir. Oh, on dit Archéomir. Hein? Le préfut que tu m'as mis. Bah. Évidemment, je te connais quand même maintenant. Au bout d'un moment, tes vannes, hey, je les connais! Prends un Tritosaur. Bleu. Ah, quoi? Un Tritosaur. Non, mais gros, on est dans Pokémon non plus, hein, donc. Un sans coquille. J'avoue, mec, ça pourrait être un sans coquille. Je prends. Oh, Dinoufli!
type au sol, qui résiste aux attaques électriques. Ça se trouve où un sans coquille? Près de la plage que tu verras bientôt. Ok. Bon bah j'ai mon équipe. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, hein, ça serait donc Etouraptor au final. Dino. Mastodonte. Mastodonte. Et sans coquille. Pas l'évolution sans coquille en vrai, il est dégueulasse, je trouve. Tu veux pas Tritosaur? Je pense pas. Je vais laisser en. Faudrait que tu lui donnes la pierre. Stas. Ouais. Bon, messieurs dames. Oh, ou toutes. Je vous souhaite une bonne. Enfin, YouTube évidemment, Twitch. Ne bougez pas, ça continue. Mais vous sur YouTube, bah va falloir attendre 3 jours pour avoir la suite de l'aventure. Ah, je sais, c'est terrible et tout, ça fait mal, mais c'est pas grave. On se retrouve dans 3 jours, même jour, enfin même jour, non, même heure, même chaîne, et évidemment même jeu avec. Même débile là qui. Ah non, bah je pars, c'est fini. Ok, cool. Donc voilà. Merci la YouTube, des bisous à vous, pouce bleu, l'abonnement, et n'oublie pas, active la cloche. Allez, on se fait ce combat et on se quitte. Mais ça va aller vite parce que le mec a éclaté. Comme toi. Alors non, du coup. Tu vois, c'est. Aussi. Non. Aussi. Ah non. Aussi. Oh non. Par contre, Vortante, t'en trouves où? Parce que j'en veux un, mais. Oh non. Pas. Vortante. Oh non. One shot. Tout, c'est pas grave. Yes! Il est moche. Arrive la courage. Et bien, ça sera dans le prochain épisode. YouTube, des bisous.